Acceptez les pécheurs, regardez vers la sainteté, a dit le pape François lors de la catéchèse de l'audience générale devant des milliers de fidèles et pèlerins réunis place Saint-Pierre. L'Église qui est sainte ne rejette pas les pécheurs, au contraire, elle les accueille. Elle est ouverte également aux plus éloignés. Elle demande à tous de se laisser envelopper par la miséricorde, par la tendresse et par le pardon du Père, qui offre à tous la possibilité de le rencontrer, de marcher vers la sainteté. Dans l'Église, Dieu qui nous rencontre n'est pas un juge impitoyable, mais il est comme le Père de la parabole évangélique. Tu peux être comme le fils qui a quitté la maison, qui a touché les profondeurs de l'éloignement de Dieu. Quand tu as la force de dire « Je veux retourner à la maison », tu trouveras la porte ouverte. Dieu vient te rencontrer parce qu'il t'attend toujours. Il t'étreint, t'embrasse et te célèbre. Le Seigneur veut que nous faisions partie d'une église qui sait ouvrir les bras pour accueillir tout le monde, qui n'est pas la maison de quelques-uns, mais l'église de tous où tout le monde peut renaître, être transformé, sanctifié par son amour, les plus forts et les plus faibles, les pécheurs, les indifférents et ceux qui se sentent découragés et perdus. L'Église de tous offre la possibilité de parcourir la route qui mène à la sainteté, la route du chrétien. Elle nous fait rencontrer Jésus-Christ dans les sacrements, plus particulièrement dans la confession et dans l'Eucharistie. Elle nous communique la parole de Dieu, elle nous fait vivre dans la charité, dans l'amour de Dieu. L'Église a le devoir d'accueillir et nous tous chrétiens devons regarder en haut vers la sainteté.